Avance. Avance. Le lion. Seigneur, je bénis ce bâton. Je déclare la restauration des pouvoirs de cet enfant. J'enlève toute mauvaise énergie autour de lui. Toute manipulation de l'ennemi sur sa vie au nom de Jésus. Amen. Papa, il faut que tu viennes arracher. Arrache la liberté de ton enfant. Voilà. Toute personne qui a manipulé ton enfant, même quand il était dans le ventre de sa mère, nous enlevons cette manipulation selon Matthieu chapitre 18, verset 18. Amen. Approche encore ici là. Voilà. Bonjour à tout le monde, bonjour. Voilà. Je fais la vidéo pour vous montrer les trucs qui sont disponibles. Prenez votre qui vous ici là. Chacun doit avoir sa part. Vérifie celui qui n'a pas. Tiens. Bon, ce matin, je vous ai montré la lance qui est disponible. Donc, voilà ça. Ça, c'est pour ceux qui sentent que vous sentez que vous êtes choisi, appelé, vous êtes à une autre dimension. Et vous avez besoin de ça chez vous. Donc, ça peut se mettre au-dessus de ton lit. Ça, là, tu peux mettre au-dessus de ton lit. Souvent, quand tu restes à la maison, tu es en train de prier, tu peux tenir ça. Quand tu tiens comme ça, là, ça, c'est de l'ébène pur. Donc, c'est très fort, c'est très chargé. Donc, quand on vous envoie ça, je vous ai dit le matin qu'on décompose ça. Donc, ça passe à la poste. Vous voyez, non? Donc, quand tu reçois ça, ce n'est pas long comme ça. Achetez vos objets spirituels, ça va vous servir chez vous. Voilà. Donc, voilà comment on vous envoie ça. Ça va peut-être 2 kilos, je pense. 1,2 kg. Donc, tiens ça, tu déposes là-bas. Donc voilà le bâton. C'est pour ceux à qui ça parle, achetez le bâton ici. Voilà, c'est bon. Donc ce bâton, il est à 45 000. Et les bâtons de commandement, les petits, donne-moi quelques-uns là-bas. Voilà. Vous avez les bâtons ici. Ah, c'est les grands formats, on va dire. Vous n'avez pas besoin d'avoir seulement un bâton de commandement. Vous voyez Harry Potter. Harry Potter, il y a ce truc-là comme les baguettes magiques. Donc ça, c'est comme ta baguette magique. Mais ça, c'est quand tu dis ça, quand tu pries. Tu prends ça, tu parles, tu commandes. Ça s'appelle bâton de commandement. Ça éloigne aussi les mauvaises énergies. Je tiens comme ça, je sens comment mes mains sont en train de chauffer. Ça éloigne les mauvaises énergies de toi. Donc il y a les gens, les mauvaises personnes que tu as autour de toi. Parfois, tu vas quelque part dans un bureau pour demander un visa. Tu pars peut-être pour une interview. Ça éloigne les mauvaises énergies de toi. Et certains d'entre vous, c'est souvent l'esprit de rejet sur vous. Donc ça deal avec ça. Donc il y a plusieurs formes différentes. Ça, c'est le lion. C'est pas tout le monde qui va sentir qu'il faut, lui, il faut le lion. Voilà. Et puis, il y a aussi ce qui n'a pas de forme comme ça. Donc tu peux être conduit par l'esprit à prendre plusieurs. Là, par exemple, ça, c'est un oiseau. Voilà. Et généralement, moi, je l'ai fait en forme uniforme ou lion. Les autres formes là, je faisais avant, mais ça ne, beaucoup de personnes ne prennent pas ça. Voilà. Donc je vais vous montrer les kits qui sont disponibles. Et je voudrais que vous puissiez acheter vos kits. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous, vous n'achetez pas les kits. Tu peux faire un kit 3 fois. Tu fais le mois-ci. 2-3 mois plus tard, tu sens que quelque chose, tu sens qu'il y a quelque chose. Tu prends encore le kit, tu fais. Ne dormez pas sur votre travail spirituel. Les gens sont en train de vous chercher. Les gens vous... Attends, continuons seulement le direct. Bon, il y a le kit... Il y a le kit visa et voyage. Le kit visa. Ah, c'est pour les gens que tu as demandé le visa tellement de fois. On t'a refusé le visa tellement de fois. Jusqu'à toi-même, tu ne sais pas. Tu ne comprends pas. Donc, ça vient avec des savons, comme vous allez voir. Voilà, je vais juste l'espace ici au milieu. Quand tu l'as fait, tu ne fais pas les petites vidéos pour dire pourquoi. Fais le moment, monsieur. Le savon, tu te laves avec. Et tout ce qu'il y a dans le kit ici, quand tu utilises, tu dois mettre ta foi. Tu mets, tu parles. Tu veux, tu te concentres sur ça. Voilà. Donc, voilà le savon. Il y a le gel de purification. Parce que quand tu ne voyages pas, c'est parce que là où tu es là, on t'a bloqué. Les gens ont vu que, oh, comme sa fille aux États-Unis, si elle ne voyageait pas là-bas, elle sera bien. Tes frères ont dit que tu ne vas pas prendre l'avion. C'est pour ça qu'on t'a bloqué. Ta fille a tous les papiers là-bas, mais elle a bloqué ton. On t'a bloqué sur le pays. Il y a beaucoup de produits qu'on a mis dedans pour
Ça, c'est banane poudre que tu mets dans l'eau. Tu te laves avec. Ça, c'est pour lécher. Tu enlèves. Il y a les poisons qu'on a mis mettre sur toi dans la nuit. Les poisons de nuit qui sont dans ton estomac là. Ça t'a fait l'estomac gonfle pour rien. Voilà l'huile de déblocage. Voici le parfum Exterminator. Je vous ai dit que ceux qui ont Exterminator, vous n'utilisez pas Exterminator tous les jours. Peut-être tu as une interview. Tu as un cas au tribunal que depuis, on te tourne. Pas Exterminator. Ça, c'est peut-être 4 utilisations. Exterminator seul, c'est 10 000 francs. 4 utilisations, tu prends, tu divises en 4, tu prends un quart, tu mets dans l'eau. Tu parles. Je ne dis pas tous les jours. Tu parles, que comme demain, je pars au tribunal là. Toute personne qui avait bloqué mon cas, on va me donner. On ne part pour l'interview là. On va me donner le boulot là. Et c'est médiateur, c'est pour les situations extrêmes. Donc, quand il dit visa, la banque, tu ne pars pas pour faire ton interview. Voilà. Voilà l'huile mille faveurs. Je vous ai parlé de mille faveurs tellement. On a mis ça dans ce site aussi. Tu vois ton visage, tu vois tes mains, tu parles. Tu peux même prendre un peu de quelques gouttes, tu mets, tu déposes un peu, tu touches un peu sur tes papiers comme ça là. Tu parles avant d'aller déposer. Maintenant, on a les gels, toujours les gels. Ça, c'est gel de purification, toujours. Sel, activation de tes pouvoirs. Sel de purification. Pour enlever les mauvaises énergies sur vous là. Il y en a parmi vous, il faut qu'on te voit. On s'en a tué, on s'en a une vieille grand-mère. Parce qu'on a bloqué ton énergie. Maintenant, j'ai le parfum attirance. Ça, c'est pour. Quand tu mets le parfum, si le jour où tu es en train de sortir pour aller faire ton truc, tu mets sur tes bras. Tu mets sur ton cou et tu parles. Donc, comme je suis en train de partir pour mon visa, on va m'accorder ça. Maintenant, il y a cette poudre à boire. C'est un blocage que vous avez, c'est parce que on vous a donné peut-être un poison de nuit. Parfois, on a mis la question à nous tuer. Tu as mangé. Ce n'est pas pour te tuer. C'est seulement pour te bloquer. Ça fait ton corps commence à gonfler. Quand on te regarde comme ça, là, tu parais laid. Comme ça, là, pour rien. Donc, tu arrives comme ça dans la salle d'interview pour le visa. La personne qui t'interview veut te. Il te dit que tu es bizarre. Il ne te donne pas le visa. Voilà. Donc cette poudre, si tu bois ça, tu te puges avec. Maintenant, on a le sel d'abondance. Ça, c'est un nouveau produit qu'on a sorti. Le sel d'abondance. Tu mets ça dans l'eau avec les autres sels. Le jour où tu utilises le sel d'abondance, tu utilises ça seul, tu me rends 2 cuillères à soupe. Le jour où tu utilises avec les autres produits, tu prends une cuillère, tu mets les autres cuillères de rouge, vert, tout ça. Mais quand tu mets ceci dans l'eau, tu parles. Ça enlève les malédictions, les fondations là. Parfois, on a dit que personne de ta famille va voyager. Tu dis que moi, je vais voyager. Et n'oubliez pas les passages bibliques que vous utilisez quand vous utilisez les kitsi. Il y a quoi? Il y a le psaume 35. Il y a le psaume 126. Il y a le psaume 91. Il y a le psaume 23. Il y a le psaume 105. Particulièrement pour le visa, tu dis le psaume 105, versets 18, 19 et 20. Que toute chaîne sur mes pieds, je viens détacher pour me libérer pour que je voyage. Voilà. Et puis, il y a le rituel que tu vas faire avec le cadenas. Tu te débloques, tu mets ça dans l'eau, tu te laves avec. Voilà, c'est pour le kit voyage. Ceux qui veulent le visa. Donc, ces kits sont à 55 000 francs. Et je vous conseille de prendre le kit avec un bracelet. Donc, tu as fini, non. Va prendre prends un bracelet là-bas, tu te donnes. Mets-toi la fenêtre là-bas, tu leur demandes à ça de produire un autre panier. Soit ils me donnent des plastiques, comme ça on s'en met dans les plastiques. Maintenant, ici j'ai le kit fondation. Je sais pas si je vais aller dans les détails du kit fondation parce qu'il y a ça sur YouTube. Le kit fondation, c'est pourquoi? Si tu as des blocages, c'est bon, tu as l'autre partie. Je peux faire une deuxième vidéo. Voilà le bracelet. Le bracelet mauvais œil. On a le bracelet œil de tigre. On a aussi ça. Il y a plusieurs perles dessus. Vous avez aussi le bracelet en courroux. Tous ces bracelets, c'est pour votre protection. Le noir, il y a ce qui est brillant, qui protège contre les mauvais esprits. Le noir, ça protège contre la sorcellerie.
Il y a une dame qui a acheté son bracelet une fois. Elle me dit que il y a le bracelet qu'elle avait acheté. Il y avait l'huile de blindage. Elle a piétiné quelque chose de mauvais. Elle a mis l'huile de blindage sur le pied là. Et le fait qu'elle avait les bracelets, ça a stoppé ça directement. Et la semaine qui a suivi, elle a même perdu son bracelet. Parce qu'ils connaissent. Quand ils voient quelque chose que vous mettez sur vous pour vous protéger, ils connaissent. On n'oublie pas. Et aussi d'autres qu'on a fait en mettant du noir et du blanc. Donc quand vous achetez, c'est selon la direction de l'esprit. Donc tiens, tu peux le mettre là-bas. Tu vas enlever le plastique là-bas. Il ne bouge pas, pourquoi? Le kit fondation, c'est pour vous protéger. Premièrement, le kit fondation aide à enlever les malédictions qu'il y a sur ta famille. Supposons, tu es marié, tu as tes enfants. Donc, tu es un papa peut-être de 50 ans. Ton fils, toi, tu as arrêté l'école à un certain niveau. Ou bien tu as eu de l'argent, après c'est parti. Tu as travaillé, après, au dernier moment, on t'a renvoyé. Pour ta retraite, tu n'as même plus. Tu te rends compte que ton fils maintenant grandit. Ses compétences de l'école, il n'arrive pas à trouver le boulot. Quand il trouve même le boulot, on l'exploite. Tu te rends compte que ce que toi tu subissais dans ta vie, ton enfant te subit la même chose. Donc, il y a une malédiction, ou il y a des malédictions générationnelles qui sont en train de partir de toi à ton fils. Soit de ta femme à ton fils. Donc le kit fondation, c'est pour couper les malédictions générationnelles qui viennent bloquer votre vie, bloquer la vie de votre enfant. Et parfois, ton enfant n'est pas quelqu'un qui veut faire le travail ici. Toi, tu fais ça, tu coupes. Tu dis que c'est à n'importe quoi qui est passé à cet enfant. Que sa mère a passé à cet enfant. Moi-même, je viens couper. Jean Parfait, tu viens. Je suis attention au marché, mon frère. Bon, Tessim, tu viens me déranger pourquoi? Bonjour. Tu me dis bon, ma chère. Ça de production, j'ai levé les plastiques, non? C'est quoi votre problème? Les plastiques d'emballage, c'est tout. Je ne sais pas pourquoi vous compliquez la vie. Dans le kit fondation, quand tu prends ça, tu fais avec 7 jours de jeûne. 7 jours de jeûne, je vais briser. Il y a les familles où les filles n'accouchent pas, où les filles ne se marient pas. Il y a les malédictions que vous avez dans votre famille. On a dit, peut-être que vous n'avez jamais parti en Europe. Ton mari en Europe depuis, il n'arrive pas à te faire venir. Parce qu'il y a une malédiction, il y a un démon familial qui est si sur ta destinée. Parfois tu te maries, c'est toujours la femme qui abuse de toi, elle fait des trucs. Ton père avait la même chose. Ton grand-père avait la même chose. C'est ça. Merci. Donc dans ce kit fondation, vous avez, je ne vais pas montrer, parce que YouTube, sur ma chaîne YouTube, il y a ce kit-là. On sait aussi 55 000. Donc on a le kit de déblocage. Ce kit de déblocage contient une poudre pour mettre dans l'eau et se laver. Donc, vous utilisez la poudre, vous mettez un peu dans l'eau avec le sel, avec tous les ingrédients et vous priez dessus. Parlez sur vos choses. Vous attendez tout que c'est votre mère qui prie pour vous. Quand ta mère va mourir, tu vas faire comment? Les gens qui ont utilisé le kit là, vous-même vous connaissez. La nuit, j'ai rêvé, j'étais au 5e jour de mon kit. J'ai vu comment on a retiré un animal de mon corps. J'ai vu comment j'étais dans une case emprisonnée. Quelqu'un est venu, il m'a sorti de là. On m'a monté la fenêtre, je suis sorti. Ça, c'est le kit de déblocage. Pour le kit de déblocage, tu utilises ça quand tu as une situation dans ta vie qui ne veut pas partir. Tu montes, tu descends, tu es tout bloqué. Tu montes, tu descends, tu es tout bloqué. Tu vas acheter la maison depuis. Oh, madame, votre crédit n'est pas, votre score n'est pas suffisant pour prendre qu'on vous donne l'argent. Le kit de déblocage résout ça. Donc, tu as une situation particulière. Tu allumes ta bougie, tu déposes, tu composes ton eau de lavage. Donc, il y a des feuilles dedans avec des écorces. Voilà le savon pour se laver. Il y a aussi, là c'est la poudre anti-poison. Parce que beaucoup d'entre vous allez au poison dans le corps, vous ne savez pas. Certains d'entre vous, il y a des animaux, parfois c'est le serpent. Il y a une dame qui est venue ici avant-hier. Elle m'a apporté certaines choses. Quand j'ai pris, j'ai dit que le Seigneur prie pour elle. J'ai seulement senti qu'il y avait un serpent dans son ventre qui bloque ses activités. Parfois tu es en bengue. Des choses sont ici au pays qu'on te bloque. Chaque fois que tu atterris comme ça là, on dit, ah, elle est là. Hein. On bloque. On vient, on met des choses dans ton corps. On t'apporte la nourriture, tu manges. Les choses rentrent dans ton corps. La nuit même, on vient, on met des choses dans ton corps. Tu rentres là-bas, tu es tout fatigué, faible, fatigué, dépressive, stressé. Tu as peur. Tu es en Europe, tu as peur. Donc le kit, là, c'est pour enlever les choses qui sont dans votre corps. Donc ça, là, il y a l'encens dedans que tu vas brûler. Voilà le miel de commandement. Donc ça, c'est pour, tu lèches le miel si tu parles, tu dis ce que tu veux. Le savon, c'est pour te laver. La poudre, si tu lèches ça,
C'est pour enlever les mauvais esprits dans ton corps. Voilà, poudre anti-poison. Voilà, poudre anti-poison. Il y a d'autres choses que tu vas brûler dans ta maison. Donc, il y a des feuilles ici que tu vas brûler dans la maison. Ça va enlever les mauvais esprits de la maison. Et ça, c'est le romarin. Tu fais bouillir ça, tu te laves avec. Ça, c'est pour attirer l'argent sur toi. Donc, voilà les gels. Tu fais, quand tu composes ton eau de bain, tu dois bien composer. Hein. Tu composes ça même quand tu fais bouillir le romarin ici. Tu mets encore les gels dedans. Tu mets le sel dedans. Tu parles. Donc, quand tu te laves, comme ça, tu sens comment tous les mauvais trucs sont quittés sur ton corps. Voilà le parfum de déblocage. Voilà l'huile de blindage. Voilà le parfum anti-sorcellerie. Voilà encore l'huile de déblocage. Et ici, on a plein de sel. Le sel, c'est là, tu prends ça, tu verses dans la maison. C'est cela, c'est pour te laver. Ça, c'est pour te laver. Voilà. Et voici encore un autre sel, toujours pour ton bain. Et l'une des ingrédients clés de ce kit, c'est la poudre de désenvoûtement. Un jour, je faisais le direct ici, là. J'ai fini, on a fait le jeu, je vous ai dirigé pour faire le lavage. Il y a une dame qui a... Il y a un esprit qui est en elle. Qui l'a fait prendre le téléphone. Elle fait le voice. L'esprit parle. Je vous avais fait écouter ça en direct ici. Que la reine Jocelyne, pourquoi tu veux désenvoûter les gens là? Pourquoi tu veux les libérer? Que je suis le serpent qui est dans son ventre, je la bloque depuis. Je vous avais fait écouter ça ici en direct. Il faut que je cherche encore l'audio de la femme là. Que pourquoi tu veux là? On la bloque depuis. On a empêché qu'elle ouvre son orphelinat. On a empêché que sa vie n'avance. Pourquoi tu la débloques? Pourquoi tu veux sauver les gens? Je suis ici à chaque fois que je fais, je parle. Vous dites que je vends seulement. Je vends, mais ça vous aide aussi. Vous devez comprendre. Il y en a parmi vous, tu es bloqué depuis des années. Tu ne sais pas ce qui t'arrive. Ta mère est déjà morte depuis. Toi-même, tu étais simpleton. Donc, tu prends la poudre aussi, tu bois. Tu bois ça comme le thé. Tu bois deux jours. Le troisième jour, tu te purges avec. Il y a des personnes qui ont envoyé des témoignages, des vidéos. C'est vrai que les vidéos étaient dégueulasses. Mais elles montrent que voilà le truc gluant qui est sorti de mon corps. Que voilà le truc. Voilà le verre, elle monte un verre bizarre comme ça là, que je me suis purgé, voilà ce qui est sorti de mon corps. L'autre dit que voilà, je me suis purgé avec ça la nuit. Le matin à 5h, je pars, je vois, elle monte tout dégueulasse sur son sous-vêtement. Voilà. Et ici là, vous avez le donne-moi tout. Dans le kit de déblocage plus, il y a trop de choses dedans, vraiment. Achetez ça, vous utilisez. Tu peux faire un kit fondation 7 jours. Tu prends encore ton kit de blocage. Tu fais 7 jours avec 7 jours de jeûne. La semaine d'après, tu prends le kit attirance. Tu fais 7 jours. C'est chacun qui connaît ce qu'il veut pour son travail. Et si un truc que j'ai compris, c'est que chaque fois que vous faites ça, il y a un truc qui sort de votre corps. Ça, je l'ai témoigné là tout le temps. Bon, maintenant, il y a le kit anti-sorcellerie. Le kit anti-sorcellerie, tu sens que tu es envoûté. Tu sens toi-même qu'il y a quelque chose dans toi, que ça ne va pas. Et vous qui me suivez depuis, moi je suis depuis un an, vous n'avez jamais acheté un truc. Tu es tout bloqué. Hilary, tu dis que depuis que tu as commencé le kit de blocage, tu saignes un peu. Pourtant, tu avais déjà saigné. Ça veut dire qu'il y a les choses dans ta partie. Et le truc, c'est quoi? L'une des caractéristiques de la poudre de déblocage, c'est que la poudre de désenvoûtement, il y a les choses que quand ça vous bloque, ça vient se cacher dans tes trompes. Ça ne bloque pas seulement ton accouchement, ça bloque ton argent. Les esprits là, vous, les esprits serpents là qui vous êtes dans les gens, vous savez ça. Ça bloque tes finances. Tu es dépassé, tu ne comprends pas. Il y a un esprit qui est dans ton ventre. Ça te bloque. Ça ne bloque pas seulement ton enfant. Ça bloque aussi ton argent. Donc tu dois comprendre ça. Donc, pour ce kit-ci là. Il y a des choses dedans. Hein. Donc ça, c'est le kit anti-sorcellerie. Tu as des cas d'envoûtement. Tu viens même de tomber sur ça, tu ne sais pas par quoi commencer. Prends le kit anti-sorcellerie. Voilà la poudre que tu mets dans l'eau pour te laver. Voilà l'encens. Tu brûles. Terminator. Le sel d'abondance. Donc, si vous venez d'arriver. Non, tu ne fais rien de particulier, Joséphine. Dans le kit que tu as là, il y a une eau que tu. Il y a la poudre de désenvoûtement que tu as bu. Achète encore la poudre. Finalement, quand vous faites le kit de déblocage,
prenez avec deux poudres, parce que dans le kit il y a une poudre, donc prenez encore une poudre supplémentaire, vous utilisez. Voilà la poudre là, c'est noir comme ça, voilà la poudre de désenflottement. C'est noir. On prend encore l'autre, tu bois. Deux jours, tu te purges le fourre-tousse là, tu te purges. Tu vas voir les choses qui vont sortir ton ventre. Donc dans ceux qui vous avez le sel d'abondance, pour restaurer, enlever les malédictions sur vous. Donc vous avez l'huile mille faveurs, vous avez les encens. La poudre de désenvoûtement aussi est très importante. Oui, il y a le kit sorcellerie, anti-sorcellerie à Yaoundé. Commandez. À partir de, on est vendredi, lundi, il y aura ça là-bas. Appelez seulement, on va vous envoyer ça là-bas. Vous viendrez chercher. Pour Yaoundé, on a déménagé. Donc, on a déménagé. Vous appelez, on vous dit là où on se trouve maintenant. Donc, on a le sel maison hantée. Ça là, vous versez dans votre maison. Parce que souvent, quand vous êtes dérangé comme ça, là, dans votre maison, même, il y a les choses qui vous dérangent. Vous ne savez pas. Donc, ça là, tu verses autour de la maison. Tu verses dans les coins de ta maison. Voilà. Ça, c'est l'huile contre les couches de nuit. Il y en a parmi vous. Que tu es envoûté comme ça, ou tu ne dors pas bien. Parce que la nuit, il y a quelqu'un qui vient se coucher à côté de toi. Oui, le kit sorcellerie sur Abidjan aussi. Oui, tu peux avoir ça là-bas. Donc, il y a le gel de déblocage. Et puis tu as l'huile de déblocage aussi. L'huile de déblocage, quand tu finis de te laver, de prier, de parler, tu prends l'huile. En mettant l'huile sur toi, tu mets sur ton visage. Que j'ouvre mon aura. Tu mets sur les mains, que j'ouvre mes mains, que je puisse toucher et donner la faveur aux gens, que moi-même je reçoive la faveur. Tu mets sur tes pieds. Que tout en bout, je vais partir. Que les portes me soient ouvertes. Tout projet que je vais faire, que ça glisse, ça marche bien. L'huile de déblocage aussi. Puis que je mets la faveur sur moi. Ici, on a aussi l'eau bénie. On a le sel. Le sel que tu vas mettre. On a aussi le parfum anti-sorcellerie. Le parfum, si, tu peux souvent mettre un peu dans ton eau de bain. Oui, tu mets un peu dans ton eau de bain. Et tu mets aussi dans ton... le matin, quand tu sors là, tu prends ça, tu mets sur tes mains. Tu mets sur tes mains ici, tes avant-bras. Tu parles. Tu prends un peu, tu mets sur toi ici là. Que tiens n'importe quel esprit qui me manipule. N'importe quel contrôle à distance dont je suis victime, je m'en libère. Tout sorcier qui me poursuit, même dans la journée, si tu me vois là, tu me fuis. Voilà. Les fichiers, si tu mets ça dans ta maison, ça va encore. Donc dans le kit anti-sorcellerie, j'ai aussi ajouté le bracelet mauvais oeil. Maintenant, il y a la poudre, il y a des poudres à lécher ici. Et puis il y a des écorces que vous mettez dans les coins de la maison, ça chasse les mauvais esprits. Voilà. Là, c'est le kit anti-sorcellerie. Carla, tu peux. Bon, si on te pose ça aujourd'hui, tu peux recevoir demain. Parce que elle a, la personne, le monsieur qui travaille là-bas, il a voyagé, donc il revient lundi. Mais si on te pose ça aujourd'hui, tu peux commander ça aujourd'hui. Tu perds, voilà, on poste, tu reçois là-bas demain. Tu dis, c'est bien mal, si c'est une vanne, on envoie. Bon, le prochain kit. Le kit attirance, je vous avais dit qu'on a un nouveau kit attirance. Le kit attirance aussi est nécessaire pour qui? Il y en a parmi vous, vous plaignez souvent que oh, je fais le commerce, les gens n'achètent pas. Que, oh, quand les autres vendent, moi, ou bien je suis une belle fille, mais les hommes ne me donnent pas l'argent. Oh, quand je demande même, c'est comme si on n'a même pas parlé. C'est comme si quelqu'un n'a même pas bougé à côté de la personne. Linda, au Gabon, on peut poster à Port-Gentil. Donc, parce qu'on est basé au Gabon à Libreville, donc on peut poster à Port-Gentil. Donc je reprends maintenant. Le numéro du Gabon est en haut. 0741 80 080. Donc 0741 80 080. Ça c'est le numéro du Gabon. 0741 80 080. Sur WhatsApp. Et le numéro du Cameroun, 00237 680 71 0701. Donc 237 680 71 0701. Ça c'est le numéro. À partir de ce numéro, on peut vous donner le numéro de France. À Paris, on a des représentants là-bas. Et puis on poste au Canada, on poste en Côte d'Ivoire. Il y a quelqu'un en Côte d'Ivoire. Donc le numéro de la Côte d'Ivoire est aussi sur la page. Commande ton kit pour Yaoundé sur le 680. 680 71 0701. Commande là-dessus, Carla. Au Gabon, le kit c'est 70 000. Je crois qu'on va t'envoyer ça à Port-Gentil à 3 000. L'envoi là-bas c'est 3 000.
support gentil. Voilà. Je parle en temps de quitte attirance. Tu as remarqué que quand tu demandes l'argent, on ne te donne pas. Parfois, quelqu'un te promet même l'argent. Le jour où il a te donné l'argent, soit il a oublié, soit sa mère est morte dans la nuit, il a envoyé l'argent pour qu'on mette sa mère à la morgue. Il y a quelque chose qui s'est passé pour que tu n'aies pas cet argent. Donc, tu vas voir que ce kit-là va restaurer ton commandement. Ça va restaurer ta chance. Ça va restaurer ton attirance. Voilà. Quand il dit ton commandement, c'est pas... Parfois, quelqu'un veut t'aider. Parfois, quelqu'un veut t'aider. Mais il reste encore comme ça, là, il change d'avis. Voilà. Donc, le kit attirance est composé de quoi? Il y a l'exterminateur dedans déjà. Ça, c'est le nouveau kit attirance. Ce kit attirance, c'est 55 000. Ça, c'est le nouveau kit. 55 000. Donc, c'est là. Nouveau kit. Exterminateur. On a aussi l'huile d'attirance. Tu gardes ça dans ton sac. Tu mets ça sur toi tous les matins. On a le parfum d'attirance que tu mets tout dans ton sac. On a le miel de commandement. Tu lèches ça. Chaque fois, tu parles. Donc ça, c'est pour brûler. On a aussi la poudre d'attirance. La poudre d'attirance, c'est là. Tu mets ça dans le yaourt. Et parfois, la poudre d'attirance a plusieurs couleurs. Parfois, ça vient, c'est blanc. Parfois, c'est vert. Si c'est vert, tu mets ça dans le yaourt, tu manges. Tu manges. Donc, tu as aussi les encens que tu vas brûler à la maison. Tu as le gel d'attirance. Je vais vous montrer la poudre de lavage. Tu mets dans l'eau. Maintenant, tu as la poudre à boire. Tu fais bouillir ça, tu bois. Maintenant, tu as ce savon, savon d'attirance. Et tu as les sels d'attirance qui viennent avec. Gel et savon d'attirance, ils sont tous là. Et la clé de ce kit, c'est ta foi. Je restaure ce qui est mon droit, ce qui est mon droit de naissance. Je restaure. En fait, les gens viennent te promettre, je vais te payer ton visa. Oh, je vais ouvrir ton magasin, je vais t'ouvrir un shopping. Après, il disparaît. Parce que la personne, ton attirance est faible. Ton commandement est faible. Tu ne peux pas voler la personne, mais c'est que quelqu'un avait l'intention. Dieu avait l'intention de te baigner à travers la personne. Après, c'est parti. On s'est restauré. C'est pour restaurer ta faveur. Voilà. Merci. Et maintenant, Carole, si tu me suis, tu n'as pas l'argent pour acheter les produits. Prends le sel qu'il y a dans ta cuisine. Tu as le sel dans ta cuisine, non? Le sel de 50 là. Lave-toi avec. Les gens qui achètent mes produits, je les vends à 50, 70 000, 80 000. Ceux qui achètent mes produits sont les gens qui ont déjà commencé depuis à se laver le sel. Je crois que tu as quand même 50 aujourd'hui, non Carole? Parce que tu as la connexion pour me regarder. Donc tu achètes le sel à la boutique. Tu palis le somme 35 sur le sel là. Ou tu prends ton propre pipi. Tu pisses le matin. Tu mets le truc dessus, le sel. Tu lis le somme 35, tu te laves avec. J'ai tellement de témoignages des gens que oh, j'ai fait ça, j'ai eu le boulot. Oh, j'ai fait ça, mon patron m'a donné l'argent. Oh, j'ai fait ça. Il y a une fille qui m'écrit ce matin. Elle me dit, maman, on ne m'a jamais donné 50 000 dans ma vie. J'ai fait le lavage au pipi, quelqu'un m'a donné 50 000. Je ne vends pas le pipi. Tu as compris, ma chérie? Le pipi est dans ton corps. Le matin, quand tu te lèves, tu pisses, ça sort. Lave-toi avec ça. Tu as compris, ma chérie? Voilà. Et quand l'argent va commencer à venir, rappelle-toi que tu voulais acheter le kit. Parce que vous connaissez. Souvent, l'autre, comme ça, vient et dit, bon, quand l'argent commence à entrer, tu la vois pas maintenant, par là-bas, elle peut acheter des chaussures, elle peut acheter des habits. Chacun sa chance. Ok, donc j'ai parlé du kit attirance. Donc, celles qui sont disponibles sur Libreville, Abidjan. Oui, on poste au Sénégal. Celui qui est en Côte d'Ivoire peut poster au Sénégal parce que tout ça c'est l'Afrique de l'Ouest. Et vous pouvez même faire le paiement à partir de là. Toi, tu n'as pas cherché l'argent. Hein? Ton bras là, si on te dit que tu donnes 1 million pour que ton bras reste debout. Tu crois que tu vas même mettre ça sur ta dent. Te voilà que tu es fatigué d'arrêter. Oh. Je veux encore des plastiques, s'il vous plaît. Karine, le kit de blocage, c'est pour débloquer une situation. Karine Matingan, si tu es pour débloquer une situation particulière de ta vie, tu as compris Karine? La vidéo du kit de blocage est sur YouTube. Comme je fais les vidéos comme ça, on va mettre ça sur YouTube, vous allez regarder. Si tu as une situation particulière dans ta vie, c'est pour débloquer cette situation-là. Voilà. Maintenant, ça c'est le kit célébrité. Salle de production, vous avez ajusté le kit célébrité?
Comment ton toque qui là-bas? Quand elle veut, je vais gifler certaines personnes ici aujourd'hui. Salle de production, est-ce que le savon dit qu'il fait les bouteilles dedans? Oui, marraine. Je ne vois pas. C'est un jeune, c'est où? Encore reçu ce produit, ma reine. Viens ici là. Viens. Nadine, tu es où? Tu veux travailler avec moi? C'est pas n'importe qui peut travailler avec moi, pardon, parce que j'ai trop de. Tu dis que tu n'as pas encore reçu le produit. Elle a dit quoi? Mais les produits sont venus, non? Demande, appelle là, tu demandes pourquoi c'est pas là. C'est quoi, Urich? Je vais enlever le pouvoir, je suis à la genou. Pour remettre ça en route. Tu vas enlever quoi? Je vais enlever le pouvoir, le sang dans le pouvoir, mettre la fille. Oui. Maintenant, pour enlever le pouvoir, il faut enlever le wifi. Enlever le wifi. Je ne suis pas en train d'utiliser le wifi, donc retire. Débranche. Le kit de déblocage au Cameroun, c'est 55 000. Donc je vais monter d'abord le kit commerce, après il faut le kit célébrité. Bon, le kit commerce c'est pour les gens qui... Tes produits là, tu as les produits, tu vends, on n'achète pas. Hein? En fait, je te demande si tu es venu accompagner les gens sur TikTok. Tu te demandes si tu es venu. Cynthia, va sur ma page, tu vas regarder ma page YouTube ou ma page TikTok. Tu verras comment utiliser, faire le lavage de pipi. Je suis là pour vendre mes produits aujourd'hui. Je vous explique les produits tous les jours. Je vous les explique le pipi, le sel. Je fais ça tous les jours. Va sur TikTok. Tu écris Reine Lumière. Tu as compris? Tu vas voir. Reine Lumière, tu vas voir ça là-bas. C'est sur ma vidéo, sur ma page, l'une des deux premières vidéos, c'est ça. Je précise encore qu'un kit, tu fais 7 jours de travail. Tu jeûnes, tu fais 7 jours. Après, tu peux prendre un autre kit. Donc ne restez pas dire que oh, je ne connais pas par quoi commencer. Je crois que j'explique ce que le kit fait. Donc quand tu restes toi-même, tu peux sentir déjà dans toi. Tu n'as pas besoin de consultation pour prendre un kit. J'ai la vidéo où je t'explique. Et si tu m'écoutes depuis, tu sais que tu peux faire ton travail seul. Et vous connaissez vos excuses là. Oh, je vais d'abord te parler. Je vais d'abord te parler. Achète le produit, tu fais ton travail avec. Je demande que on te tape, je te tape. Va découper ça, tu vas me donner. Vous aimez discuter les choses. On vous dit que non, non, non. Bon, le kit commerce, c'est pour quelqu'un que tu vends, mais tu as investi 2, 3, 5 millions, 10 millions. Tu ne vois pas là où c'est en train de terminer. Et je vous dis encore que si ton business dépasse déjà les 2 millions, le kit commerce, si tu veux lancer là pour le village, tu dois acheter. Il y a des choses que tu dois mettre, ajouter à ça, parce qu'elle vous connaît. Tu vas dépenser, tu vas partir acheter le local, mettre ceci, mettre cela. Tu ne vas pas prendre la partie spirituelle. Il y a des gens qui partent travailler pour que tous les commerçants qui vendent les chaussures sur ta rue ne vendent pas. Qu'on entre seulement chez eux. Et ta boutique est dans la rue là. Tu crois que ça va pas juste toi? Moi, tu es simpleton. Non, les clients vont entrer. Les clients vont entrer. Jamais. Arrêtez vos bêtises là. Souvent, tu veux rentrer chez toi, tu as fermé ton magasin. Une dame m'a dit une fois qu'elle avait un magasin à Yaoundé. Elle arrive le matin, elle trouve un animal mort. Donc elle soulève la barre de fer là. Quand elle ouvre ça comme ça, elle voit l'animal tombe devant elle. C'est le cadavre. Qui est venu déposer? Tu crois que c'était dans son plafond? Les gens vous détestent. Il y a des gens qui ont même dit que toi si là tu ne vas jamais ouvrir quelque chose, ça va marcher. Et ça fait déjà 10 fois que tu as commencé un business, ça n'a pas marché. Donc quand on vous met les produits, hein, ce n'est pas parce qu'on n'a rien à faire. Parce que je vends les produits, vous savez, mais il faut que vous compreniez et que vous achetez les produits, utilisez. Quand il voit souvent quelqu'un, si tu as fait quelqu'un, même le sel, tu n'as pas acheté le sel, même le sel, ouais. Dans le kit commerce, tu es là fatigué, ou tu es en train de planifier ouvrir un magasin, ou tu es en train de ok, je vais ouvrir, je vais faire mon commerce en ligne, je vais,
De la même façon que tu vas payer le local, 2 millions, les habits, les ceci, paye le kit. Tu sais que la partie spirituelle est faite. J'enlève toute mauvaise aura autour de mon business. Toute personne. Parfois, c'est des gens qui te connaissent, parfois, c'est des gens qui ne te connaissent pas. Parce que dès que ton business est public, tu parles la nuit, quelqu'un vient verser les choses autour de ton magasin. Tu ne connais pas. Voilà. Donc, qu'est-ce que le kit commerce comporte? C'est plus pour les commerçants. Même si tu fais le business en ligne, même si tu fais le marketing de réseau, kit commerce, c'est pour toi. Si tu parles, les gens achètent. Et vous savez que nous tous ici, on est commerçants. Moi, je suis commerçante. Nous tous, on est commerçants. Voilà. Donc, on a les sels d'abord. J'ai mis beaucoup de sel. Et j'ai aussi mis les choses de décoration, c'est-à-dire les choses que tu vas avoir dans ton... Dans le, par exemple, celle-ci, là, vous allez voir que ça a plusieurs couleurs. Et ça vient avec le jujube aussi. Et puis le curry. Salle de production. Je vais te gifler. Ça va apparaître dans ma vidéo. Je ne comprends pas votre détecteur à la maison aussi. Donc ça là, vous prenez, vous mettez dans un truc pour présenter. Augmente ça, ça c'est petit. Je vous passe ça, c'est petit. Vous mettez le sel-ci dans un sous-tasse ou bien dans un présentoir. Ça absorbe les mauvaises énergies. Parfois, tu as ton activité comme ça. Quelqu'un entre, fait comme s'il va acheter quelque chose. Les gens sont méchants, hein. C'est le jour où tu as un mauvais esprit devant toi, il t'explique comment il fait pour bloquer les gens. Que tu comprends que les gens sont mauvais. Parfois, quelqu'un s'apprête, il vient. C'est moi le fait qu'il marche dans ton activité. Il met ses pieds dedans comme ça, là. Il vient pour gâter. Donc ça, là, ça absorbe les mauvaises énergies. Ça éloigne les mauvaises personnes. Donc, dans le kit commerce, j'ai inclus le bâton de commandement. Parce que je sais que vous, là, quand on va dire bâton, tu vas dire qu'il fait quoi avec, il fait quoi avec. Prends ça, tu mets dans la caisse. Si tu sais que c'est toi qui vends là-bas, prends, tu mets dans ton sac. Parfois, tu es à l'étranger, ton business ici au Cameroun, ça souffre. Les filles vont te raconter les mauvais trucs. Et parfois, les gens vont envoyer, vont venir dans ton magasin pour manipuler tes employés. Donc, c'est pour chasser les mauvaises énergies là. Quelqu'un arrive même à la porte comme ça, sa tête tourne, il part ailleurs. Oui, il part ailleurs. Donc, le bâton de commandement, si vous mettez dans la caisse, ou bien dans le sac, dans ton sac, ton restaurant qui vend là-bas, ça là, tu mets dans un sous-tasse. John, donne-moi les petits trucs là dont je te parlais la dernière fois là. C'est là-bas dans le bureau de l'autre. Donc, tu mets le sel dedans. Tu déposes comme déco. Comme déco. Et je vous dis encore, si ça là, tu déposes dans le business, dans ton activité, j'ai mis ce qui s'intitule comme ça parce que la nuit, tu mets la Vierge Marie dans ton activité, tu déposes ça. Si quelqu'un vient te frustre parce que tu as mis la Vierge Marie dans ton activité, c'est que c'est un démon. Et vous dites, oh, c'est que c'est un démon. Donc tu prends la Vierge Marie. Si tu peux, tu achètes ce qui est plus grand. Parce que le kit, je ne veux pas que ce soit trop bombé. Donc j'ai mis le petit. Tu déposes ça là-bas. Même si c'est en haut de la caissière, tu déposes ça là-bas. Tu prends ton bateau de commandement, tu mets là-bas. Le sel, si tu mets. Et ce sel, tu le renouvelles tous les 2-3 mois. Parce que je dis toujours que quand tu veux faire tes investissements, si tu as investi 5 millions quelque part, tu ne peux pas prendre 100 000 pour mettre les produits qui vont protéger ton endroit. Tu es en train de te tromper. Voilà, voici les, il y a les petits bols ici. Vous pouvez souvent acheter ça quand vous venez ici. Vous pouvez demander qu'on mette dans la vitrine. Si tu es à l'étranger, tu commandes les produits. On peut mettre dans tes produits. C'est léger, ça ne pèse pas. Donc, tu mets le sel dedans. Ben, on peut mettre du sel dedans, tu viens avec. Ton sel-ci, tu mets ça là-dedans. Le sel de gros grain. Tu mets ça dedans, tu mets avec ton curry, tu déposes. Tu peux déposer au coin de ton business. Ça va absorber. Parfois, tu loues la maison chez quelqu'un. Ton bailleur, c'est un démon. Et tu as fait ton commerce chez lui. Moi, je vous dis, oh. Donc, tu mets ton sel là-dedans. Donc, ce sel-ci, c'est pour mettre dans les coins du business. Et ça, renouveler ceci, tous les mois même, c'est bon. On va le laisser à 5000 francs, je pense. Tu mets, tu renouvelles. Ça renouvelle l'énergie dans l'atmosphère. Donc, tu as le gel de déblocage. Ça, c'est pour toi-même qui as le commerce. Parce que votre business est relié à vous. Tu as le gel... d'autres gels là-bas. Tu as le gel, c'est pour appeler les clients. Voilà. Si tu vois bien ton business dans ton temps, ta tête, ton business va marcher. C'est pour ça que quand on va t'attaquer, on va attaquer tes enfants, on va attaquer ton mariage, on t'attaque toi. Dès qu'on attaque ton mindset, c'est bon. Donc, quand tu as ton activité quelque part, travaille sur toi d'abord. Voilà. Donc, tu as la poudre de désenvoûtement que tu bois aussi. Ça enlève les mauvaises choses dans ton corps. Le parfum homme riche pour amener les gens riches, pour appeler les gens riches. Ça, tu peux mettre sur ton corps ou bien tu peux prendre quelques gouttes, tu mets dans l'eau de la, pour laver le sol de ton endroit. Même le donne-moi tout. Tu peux, quand tu as ton activité, non, tu dis à la femme qui travaille là-bas, tu composes toi-même le parfum pour laver le sol. Tu achètes le savon là-bas à la boutique, le savon liquide.
tu mets le dos de homme riche dedans, tu mets le dos moi tout dedans. Tu fais ta prière. Tu mets un peu de sel maison hantée dedans. Voilà. Et tu pries. Tu dis que quand on va laver le local, c'est avec ça tous les matins. Tout mauvais esprit dans cette maison, je chasse. Voilà. Donc, voilà, merci. Voilà le sel. Quand tu, voilà le sel, la forme sous laquelle le sel arrive. Donc, comme vous voyez comme ça, là, ce sel absorbe les mauvaises énergies. Tu peux mettre surtout dans les coins. Les coins. Les coins de ton business. Tu déposes. Ou bien, si tu as une table à laquelle tu déposes ça là-bas. Comme tu déposes comme ça, au moins pendant un mois, les mauvaises, ça va absorber. Après, il faut changer. On ne laissait pas là-bas pour 2 ans. That's too much, c'est trop. On a fait en plusieurs couleurs pour que ça paraisse beau. Tu peux mettre ton jujube dedans. Le jujube, soit tu mets ton jujube dans la caisse. Ok? Voilà, merci. Ajuster les kits là, j'ai besoin de ça maintenant pour partir. C'est les bouteilles que je pars avec là. Donc, il y a les encens pour attirer les clients. Voilà ça, tu brûles ça dans ton business. Tu dis à la personne qui travaille là-bas. Le matin, quand tu arrives, brûle l'encens dans mon local. S'il ne veut pas brûler, tu le chasses. Oh, you are. Tu le chasses. Vous voyez pas les employés sorciers là. Voilà l'eau bénie. Le liquide que tu vas faire pour laver le sol là, tu mets aussi l'eau bénie dedans. Voilà le savon pour se laver. Voilà l'huile de prospérité. Ça, c'est une écorce que tu mets aussi dans les coins de ton business. Et en faisant, tu parles. Que s'il y a un mauvais esprit ici là, je le chasse. Donc ça s'appelle ça c'est un grillage de prospérité. Il y a plein de choses dedans que j'ai mis pour la prospérité. Donc ça là, tu peux mettre dans la caisse ou bien ça tu peux mettre dans ton sac à main à toi, dans la caisse de ton entreprise ou dans ton sac à main. Ce sont des écorces naturelles. Donc maintenant tu as la poudre de lavage, ça c'est pour toi-même. Cette poudre aussi tu mets tout dans l'eau pour te laver, c'est pour toi-même. Maintenant tu as la cannelle. Vous connaissez ce qu'on fait avec la cannelle, non? Chaque début de mois, si tu as la possibilité physiquement d'aller dans ton local, tu prends la poudre ici là, tu souffles ça à l'entrée de ton business, que j'appelle les clients dans mon local. Si à n'importe quelle incantation qu'on est venu faire ici pour que mes choses ne marchent pas, je chasse. Donc cette poudre ici là, j'ai ajouté d'autres choses dedans. Donc c'est des trucs que j'ai constitué pour permettre que, pour enlever les mauvais esprits dans votre local. Maintenant, ça c'est l'huile de blindage, c'est pour toi. Toi, la personne qui travaille, qui a le local. Ça c'est la poudre maison hantée. Ça c'est pour vous verser dans les coins de ton endroit. Et voilà le chapelet. Tu peux accrocher le chapelet là-bas ou bien le chapelet tu peux garder toi-même. Donc je mets le bâton de commandement sur ça. Donc ça c'était pour le kit commerce. Même si tu as le commerce en ligne que tu fais. Il n'y a pas de souci. Maintenant, on va faire le kit célébrité. Beaucoup d'entre vous, vous êtes censé avoir du succès. Tu es censé être connu sur les réseaux sociaux. Tu es censé être une star. Moi, je vous dis, moi, cash roha. On est censé parler de toi. On est censé parler de toi. Tu restes ensemble, parle de toi. Mais tu as vu les produits de la fille là. Tu as vu la. Tu sais que c'est ton droit de naissance. Pour le business en ligne, hein, arrête un peu là. Pour le business en ligne, vous devez savoir que tu fais ça, tu dis le kit commerce. Ton commerce en ligne, tu le fais à la maison, non? Dans une chambre, non? Donc tout ce qu'elle dit là, tu nettoies ta maison avec. Le bateau au commandement, tu mets ça dans ton sac. J'ai bien dit, tu parles d'abord de toi qui possède le business. Donc si je vois que tu ne peux pas adapter, c'est que ce n'est pas pour toi. Dominique, j'ai un groupe WhatsApp, mais ceux qui sont dans ce groupe-là, vraiment, pour l'instant, je ne poste pas beaucoup. Donc, si vous venez en croyant que je vais vous réveiller tous les jours, que faites ceci, non. Je fais plus de direct sur Facebook. Mais quand je fais le direct, avant de faire le direct, je vous dis dans le groupe que je vais faire le direct maintenant. Et il y a des saisons où on fait les prières, beaucoup de prières. Donc, en début mars, on va encore recommencer. Mais les prières, c'est plus une fois par semaine. On jeûne et on prie. Voilà. Mais ne pensez pas que pour entrer dans mon groupe, vous allez. Je veux pas. J'ai un autre groupe de partenaires, c'est-à-dire les gens qui sont déjà partenaires avec ce que je fais. Là, c'est différent. Donc, les gens qui ont déjà mis qui mettent leur argent dans ce qu'ils font. La personne qui connaît là-bas, attends un peu. C'est presque fini. Donc, le kit célébrité, c'est censé ouvrir ton étoile. Activer ton étoile. Souvent, tu restes concentré, on te dit que, mais tu es belle. Mais tu es censé être. C'est pour arrêter les censés être. Je ne veux plus qu'il est censé être dans ta vie. Souvent, tu restes, tu as 45 ans. Depuis que tu as 19 ans, tu sais. Les ministres te draguaient. Les hommes riches te draguaient.
Mais il y avait toujours quelque chose qui faisait qu'à la fin, là, ça fait comme ça, là, ça fait que le diable ne fait que... C'est pour arrêter les choses là sur ta vie. Donc il y a des éléments clés dans ce kit que je vais vous montrer. Dans le spirituel, il y a ce qu'on appelle l'aura. Il y a ce qu'on appelle ton étoile. Il y a ce qu'on appelle ta lueur. C'est pour ça que vous voyez que je travaille avec beaucoup de couleurs. Les couleurs. Les chakras. Vous savez, les 7 chakras ont des couleurs. Violet, jaune, vert, ceci. Le rouge, c'est les couleurs. Donc, la chose qu'il y a là-dedans, d'abord, c'est le sel arc-en-ciel. Quand tu prends le sel, si tu mets dans l'eau, c'est pour restaurer, premièrement, ta lueur. Il y en a parmi vous que vous devez vous laver le sel là même 6 mois. Le sel, si fini, tu achètes encore l'autre. Justement sur sel arc-en-ciel. Je restaure mon étoile. Il y en a parmi vous quand tu regardes ça, tu es fade. Ton visage est fade. C'est comme si on t'a couvert. Ton teint a même changé. Ça, c'est pour dire laver ça. Tu mets ça dans l'eau pour te laver. Tu mets le sel d'abondance aussi. Parfois, ta mère devait être célèbre. Ta mère a raté sa vie. Ta mère est morte. Te voilà maintenant. Tu vois comment tu as raté ta vie. Et je ne blague pas. Tu arrives en Bentu Calé. Ce matin, il y a une de mes filles qui me contacte. Elle me dit qu'elle sait qu'elle doit venir au pays pour être intronisée. Oh, il faut que je sais que tu dois travailler sur moi. Après, elle me dit que les papiers qu'elle a obtenus en France, ça l'interdit de sortir du territoire pendant 10 ans. Voilà vos blocages. Hein. Je dis, ma chérie, tu ne peux pas rester là-bas 10 ans. Impossible. L'année, si tu l'as voyagé. On te donne un cadeau empoisonné. Et tu sais que ton succès est dans l'autre endroit. On t'empêche de partir dans l'autre endroit. C'est comme ça que vous êtes bloqué. Ta mère était bloquée. Ton père était bloqué. Te voilà, tu es en train d'être bloqué. Et tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu ne lèves pas sur ta vie, tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure, tu vas confirmer le code. Tu vas seulement regarder les gens à la télé ici, là, chaque jour. Tu vas les regarder. Et à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui sait. Que je sais que je suis censé. Mais le diable ne fait que. On a prophétisé depuis 6 ans. Voilà. Donc le sel à cancer, si c'est vraiment pour ça. À cancer et abondance, tu mélanges les deux. Tu parles. S'il y a n'importe quelle malédiction que ma mère, ça va attacher ma grand-mère, mon arrière-grand-mère. Moi là, je vais sortir. Je sors maintenant au nom de Jésus. Bonjour, bonjour. Voilà le gel pour activer son étoile. Quand le gel, quand un des ingrédients est fini, vous venez ici chercher. Parce que je suis en train de mettre les grands formats. On s'est dit les 500 ml. Il y a les petits, il y a aussi les grands. C'est-à-dire que tous les jours, tu te laves avec ça. Tous les jours, tu te laves avec ça. Ça active encore, encore, encore et encore. Voilà. Maintenant, il y a l'huile de prospérité. L'huile, c'est quand tu finis de te laver. Tu as fini tes prières, parler. Tu prends ça, tu prends sur ton visage. J'ouvre maintenant mon étoile. Je déclare que partout où je vais, je brille. Je vous ai dit ce matin que souvent tu restes comme ça, tu arrives quelque part, quelqu'un te regarde. Je te connais quelque part. Tu ressembles à une star. Non, ma chérie. De toute façon, la personne a vu ton aura. Mais tu n'arrives pas à activer ton aura. On a ce. Et tout ce qui est là pour activer la prospérité, il y a le blanc, il y a le jaune. Donc, ce savon-ci là, même quand ça finit, demandez le savon célébrité. Il y a savon célébrité et huile célébrité. Ça là. Tu te laves. En te lavant, tu médites. Que j'enlève tout voile qu'on a mis sur moi. Tout ce qui empêche que mon soleil ne brille. Tout ce qui empêche que mon soleil ne brille. Je l'active. Le seul à penser, c'est 5000 francs. C'est 5000 francs. Voilà. Donc, tu as aussi le seul sang de Jésus pour te purifier. Tu as les gels. J'ai mis beaucoup de types de gels ici. Dans ce qui a beaucoup de types de gels. Il y a Exterminator. Comme je veux lancer ma page YouTube aussi. Comme je veux partir pour telle interview. Comme je veux partir pour telle et tout. Qu'on parle de moi. Que ma lueur s'ouvre. Que ça se propage. Que ça se répande. Quand je suis là comme ça, là, les gens sont en train de parler de moi quelque part. Les gens tombent sur mes vidéos pour la première fois, ils disent que waouh. Que quand les gens me voient, que ma puissance, ma force, parce que Dieu donne la puissance à chacun quand il naît. Maintenant, vos oncles vous bloquent, vos tantes vous bloquent. Tu es dans un quartier comme ça, là, tous tes voisins, ils détestent ta mère. Alors, c'est qu'elle fait les beaux enfants. Quand vous voyez, depuis que tu as 2 ans, quand on te voit, tu brilles là, tu es toujours chaud, gars. Toujours chaud depuis que tu es petit. Mais tu ne vas nulle part. Voilà, tu as 25 ans. Tu as les diplômes, tu es toi à la maison. Tu ne gagnes pas l'argent. Voilà. Donc voilà le exterminateur, si c'est pour enlever n'importe quelle malédiction sur toi. Tu dis ça une fois par mois, 4 fois, 4 utilisations. Donc tu as le gel étoile, c'est tout pour activer ton étoile. Tu as le parfum Back to Sender. Tous les petits parfums, c'est là, tu mets dans ton sac dans la journée.
tu restes comme ça là, tu sens un peu comment ton énergie est bizarre. Tu prends, tu me mets sur toi. J'active mon étoile. Là, on a le parfum attirance. Maintenant, il y a aussi cette poudre étoile-ci. Tu la prends la poudre aussi, tu mets ça dans ton eau. Au moins deux fois par semaine, tu te laves avec ça. Tu mets dans l'eau et tu mets le sucre. Le sucre, c'est pour activer le goût de ta vie. Que quand tu passes contre la vie des gens, les gens se sentent à l'aise. Waouh, j'aime trop la fille, j'aime rester à côté d'elle. Ma chérie, tu as activé le sucre de ta vie. Tu as activé le goût qu'il y a dans ta vie. Chacun a le goût à l'origine. Mais le diable vient prendre. C'est pour ça que tu es là, tu es fade, tu marches comme ça là, tu es là comme ça là. À midi, tu es comme quelqu'un que tu es vieux de, alors que tu as 25 ans. Donc tu mets ça dans l'eau, tu mets le sucre ou le miel. Tu parles sur ça, que j'active mon étoile. Tu vas passer des endroits, on va te demander que tu es une star, tu es ceci. Et je ne veux pas qu'on te demande seulement que tu es star. Je veux que tu, ça vienne avec l'argent. Ça vient avec la concrétisation. Ta page, que c'est depuis 5 ans là, ça, on ne te voit pas. Tu utilises ça, tu vas voir comment tes vidéos vont commencer à marcher. Ça, c'est pour lécher. Et aussi le donne-moi tout. Donne-moi tout. Tu mets sur la langue, tu lèches, tu parles, tu mets un peu dans ton eau pour te laver avec les selles là. Celle à cancer, celle ceci. Tu parles dans la journée. Il y a une qui m'a envoyé la photo ce matin sur son bureau, à côté de l'ordinateur. Il y avait le donne-moi tout. Je dis que les gens, c'est là. Tu fais, tu parles n'importe quoi. Quand ça va pas, tac, tu prends un peu, tu mets sur ton là. Tu essuies. Tu parles. Voilà. Ça te donne moi tout. Ça te donne tout ce que tu veux. Maintenant, l'une mille faveurs. L'autre, c'est là. Ça ouvre vos portes. Ça enlève ton aura là. Quand il commence à utiliser lui-ci là, la journée là, je marche. On m'arrête, on me donne l'argent. À Libreville. Une fille a attendu hors de la banque pendant 45 minutes. Elle me dit que je t'attendais et que je veux seulement te donner l'argent ici. Que je te connais, mais je veux seulement te donner l'argent ici. Elle est contente. Après, j'ai commencé à dire que ah, j'ai mis lui une faveur sur moi, ce matin. Et le gars qui m'a, mon guide le jour là, je lui disais que quand il m'a vu le matin, il dit que pourquoi ton visage brille comme ça. Il dit que laisse-moi tranquille. J'ai mis mon huile sur mon visage. L'argent arrive. Quand on a fait la fille, on m'a donné l'argent. Il s'arrête, il dit que donne ma part. J'ai dit que le matin, tu m'as dit que mon visage brille, non. Voilà, continue tes choses. Et moi, mon argent. Donc, tu as la poudre à boire. Tu fais bouillir, tu bois. Celle-ci, tu vas mettre avec de l'huile, tu lèches. Poudre, c'est une poudre noire comme ça, anti-poison. Donc, il y a les encens que tu brûles à la maison. Une brindille d'encens par jour. Poudre contre les poisons de nuit. Tu mets aussi dans le truc, tu lèches. Maintenant, tu as aussi les savons qui viennent avec. Voilà. Donc, je vous ai présenté les kits qu'il y a. Vous voyez ce que vous voulez. Vous savez qu'on ne force personne, non. Cherche une des trucs qui est ici là. Il commence, voilà. Vous pouvez regarder la vidéo encore après. Vous regardez, vous prenez. Donc, tu as dit, terminé. Hélène, tu veux le kit de blocage. Rien ne marche. On t'a accordé un local pour ouvrir ton restaurant en France. Depuis 3 mois, on te dit qu'on ne trouve pas les clés. Ouais, il y a la sorcellerie dans vos vies. On te donne le local, on ne trouve pas les clés depuis 3 mois. Oh, Jesus. Pardon, achetez vos kits, vous allez voir vos choses. Et parfois, il y a des situations où ça, tu attends. On te dit tout, madame, attendez, tu attends. Tu es devenu attendisor. Tu attends jusqu'à ta paix est venue. Agissez dans votre vie. Lève-toi, madame, que c'est bon. Et ta bagarre est personnelle, ma chérie. Le bâton de commandement, achète ton bâton. Tu parles sur ça. Tu mets dans ton sac le matin, tu sors. Rentrez dans une dimension spirituelle où on ne doit pas vous forcer. On ne doit pas te forcer pour que tu achètes quelque chose. On ne doit pas te forcer. Quand tu as besoin de manger, tu peux au restaurant, tu achètes, tu manges. Quand tu as besoin tu pars au supermarché, tu achètes, tu vas rentrer à la maison, tu mets ensemble, tu manges. Pourquoi maintenant, quand les choses ne vont pas dans ta vie, tu attends toujours? Tu attends qui? Voilà. Donc, on a terminé. Je vous ai parlé de ça, non? On en a beaucoup à doigt là. Quand vous achetez vos choses, si vous, vous avez besoin de quelque chose, mettez le sel. Vous les achetez. Voilà. On a terminé. Je vous ai présenté les kits. Quand vous contactez le numéro, le 00237 680 71 0701, disponible à Douala, Yaoundé, on poste à Bafoussam, Garoua, tous les endroits là, on poste. Le bâton de commandement, c'est 15 000 francs au Cameroun. Le contact de la France est sur la vidéo, en haut. Ok. Il y a les pays comme la Suisse, on poste là-bas. Tu écris au 680-71-0701. On va poster. Il y a quoi encore? Il y a la Suisse, il y a le Canada, on poste là-bas. États-Unis, on poste. Angleterre, on poste. On envoie.
Vous avez vu, j'ai expliqué pour que vous compreniez. Ne dites pas que vous attendez de me parler. Lève-toi, tu achètes ta chose. Les bracelets. Quand tu commandes le kit, prends le bracelet. Voilà. Pour la France, le contrat de la France est en haut. Côte d'Ivoire, Togo, Sénégal, Burkina Faso. À partir de la Côte d'Ivoire, on peut poster. Tu as fait 7 jours de jeûne. En de l'avant avec le kit déblocage plus. Voilà. Et surtout quand tu fais le kit, tu dois avoir écrivez la liste de ce que vous désirez. Ne soyez pas seulement muet. Quand tu dors sur ta chose, tes choses tombent. Tu parles. Le kit fondation, tu vas voir comment on va venir retirer les choses dans ton corps. Tu fais le kit fondation le mois-ci. Tu peux encore faire un mois. Tu prends encore le kit fondation, tu refais. Chaque fois que tu vas faire, tu vas voir les choses qui vont sortir sur toi. Même le lavage à distance. Parfois même quand tu as pris la consultation, je ne t'ai pas consulté. Demande qu'on convertisse ta consultation en lavage. Tu vas voir les choses que pendant le lavage, ce qu'on va dire sur toi. Le collier de Cori. Pardon, de quoi je corrige collier si tu me donnes. Ça c'est le collier d'ébène. Ça c'est la fausse matière d'ivoire. Donc voilà, merci. Ça là c'est 20 000 francs le gros. Il y a un autre que c'est mince, c'est un seul. Donc là c'est 10 000 francs. Donc le gros comme ça c'est. Vous pouvez faire les captures d'écran pendant que je parle. Le gros comme ça c'est 20 000 francs. Le contact de la Côte d'Ivoire, ma chérie, c'est en haut de la vidéo. Tu as compris? Pour les États-Unis, tu commandes au Cameroun, on t'envoie là-bas. Donc le contact général pour tout le monde, c'est 237. Donc plus 237, 71. 0701. Pour le lavage à distance, le lavage c'est 34 000. Donc 33 800, mais 34 000. En euros, je demande 58 euros. Parce que parfois il y a les frais de ceci, les frais de cela, 58 euros. En dollars, vous allez convertir. Chantal, quand tu as le kit fondation, quand tu as fini le kit déblocage, lance maintenant un autre jeune pour le kit fondation. Cette fois-là, tu laisses tous les restes des produits du kit déblocage. Tu prends maintenant le kit fondation en lui-même. Tu commences encore. Le lavage à distance, je vais vous donner les prix. Vous envoyez votre photo du visage. Tu peux laver tes enfants. Tu peux laver ton mari. Je ne fais pas les trucs où on fait pour attacher l'homme de quelqu'un. N'envoie pas la photo du mari de quelqu'un. Tu dis que tu veux le laver. Je ne suis pas sur ça. Voilà. Mais vous dites-moi cash. Il y a les lois spirituelles. Moi, je suis du bon côté. Si le bâtiment enchaîné, tu as attiré ça de quelqu'un, ne m'envoie pas sa photo. Voilà. Donc, ta maman aussi. J'ai une maman qui était ici. Elle vient à peine de partir. Elle dit qu'on lui a refusé le visa 5 fois. Alors que ses enfants sont aux États-Unis, ils ont là tous les papiers. Donc, c'est pour les trucs comme ça là. Pourquoi ton enfant est bloqué. Ton enfant, tu l'envoies en Europe depuis, tu ne fais que dépenser l'argent. L'enfant a fini l'école. C'est tout toi qui envoies encore l'argent pour payer le loyer de l'enfant. L'enfant ne trouve pas le boulot. Voilà les choses avec lesquelles je deal. Donc, je vais faire même certains lavages maintenant là, avant de partir tout à l'heure. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous envoyez la photo. Et vous envoie le paiement. Donc, pour les paiements maintenant, si vous avez les anciens numéros, les anciens noms de paiement, parce que MoneyGram a beaucoup de personnes, je ne sais pas pourquoi. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez redemander les détails pour envoyer. Donc, n'envoyez pas seulement aux anciens détails auxquels vous envoyez. Redemandez. Il y a de nouveaux noms auxquels on va vous aller envoyer. Parce que le Cameroun, je ne sais pas s'il y a un problème avec MoneyGram ici. Là, c'est bloqué depuis une semaine. Donc ne faites pas les envois au nom que vous aviez avant. N'envoyez pas au nom de M. Abesolo. Ok? Voilà. Donc je pense que c'est tout. Est-ce que vous avez encore des questions? Le homme, donc. Il y a le chapeau pour homme. Donc un peu le chapeau pour femme là. Donc ça c'est homme et femme, mais c'est pas. Le chapeau si. Si vous le voulez à Paris, vous pouvez l'avoir. On poste aussi. À partir de Paris, on poste à d'autres endroits. Donc ça vous commandez aussi. Et puis il y a le. Ça là, je crois que c'est 20 000 euros. C'est 20 ou 25 000. Demandez, on va vous envoyer le. Vous pouvez venir sur place. Vous venez à Makepe, vous payez. Vous payez en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Ou bien vous venez à Libreville sur place, vous payez. Vous faites un dépôt aussi. Faites un dépôt. Il y a aussi le Home Top. Vous demandez le. Quand vous écrivez, vous demandez le prix, on va vous donner. Voilà. Et puis si les ancêtres ont dit d'acheter quelque chose, hein. Ne pars pas, tu dis que wow, comme c'est tel prix, c'est cher. Quand tu vas acheter ta chose, tu achètes.
Tu es à l'extérieur, ça fait un mois. Tu es à l'extérieur, quel est le kit que tu veux faire? Aristide Kamounye, tu as trop l'argent. Tu n'as pas vu comment tu as grossi. Moi, j'ai grossi, mais ma part de grossi là, c'est différent. Il y a un monsieur Kamounye. Tu m'as envoyé les euros. Chaque fois que tu as parlé dans mon direct, c'est toujours pour me déranger. Tiens. Donc, je vous ai envoyé tout ce que je voulais démontrer tout ce qu'il fallait faire. Donc, ça, il faut qu'ils attachent, ils gardent. Donc, je vous ai parlé des bâtons de commandement, les grands bâtons, les longs bâtons. Là, je vous ai montré ça. Pardon. Ça, c'est 45 000. Le long bâton, là. 45 000. Mais il faut l'attacher. On va voir comment le déposer ici, là. Il faut attacher les deux. Marie Tiaga, tu veux me parler pourquoi? Le dernier kit que j'ai présenté, c'est le kit célébrité. C'est le kit célébrité. Numéro WhatsApp, je l'écris. 237 plus 237, 71, non, 680, pardon. 237, 680, 71, 07, 01. Donc, plus 237, 680, 71, 07, 01. Donc, tu as fini le jeûne hier, tu commences à te purger. Quand tu te commences à la cure avec le thé de désenvoûtement, prends même deux. Donc, une seule cure, c'est pas assez, parce que ça fait peut-être 4 ou 5 jours. Alors, quand tu prends deux, ça peut prolonger jusqu'à 9-10 jours. 9-10 jours, le traitement est plus intense avec le thé de désenvoûtement. Bonjour, Jean-Paul. Voilà. Donc, je vous ai présenté tout ce qu'il y a à présenter. Anderson, tu avais oublié le nom de ma page. Comment tu as pu? How? Comment tu as pu? How dare you? Maintenant, il faut t'abonner alors. Et tu actives tes notifications. Oui, tu peux te laver ton enfant de moins de 10 ans. Oui. Le lavage à distance se fait sur les enfants aussi. Tu crois que quand quelqu'un veut bloquer ton enfant, il va voir, ah non, elle est encore petite, elle a encore 3 ans, ne la bloquons pas. Et tu penses vraiment? Même dans le ventre, on bloque l'enfant. Même dans le ventre, on vient te taper. Pendant la grossesse, là, on te tape, on prend ton enfant dans ton ventre. Vous comprenez maintenant? Tu veux choisir le kit et la cure à prendre. Bon, écris sur le numéro alors, sur le 600, écris sur le 693 50 22 66. Tu expliques ce que tu as. Tu dis que voilà, il y a ça, j'ai telle situation. Je peux prendre quel kit? C'est très simple. Mais ne fais pas les voices de 9 minutes ou de 25 minutes. J'ai des gens qui m'envoient des voices de 25 minutes fois. Le thé coûte 10 000 francs. Le thé de désenvoûtement, c'est 10 000 francs. Ok, Anderson. Voilà, viens me donner les livres si je leur montre. Les livres pour les enfants. Je vais parler des livres. Après ça, je dois partir. Diana Talé, comment d'abord partir laver avec le sel matin et soir. Si tu tombes sur ma vidéo, tu ne connais, tu viens de, like, je viens de découvrir la femme, si elle fait quoi? N'achète pas encore le kit, ok? Prends le sel que tu as dans ta cuisine, lave-toi avec ça même 7 jours, matin et soir. Tu lis le psaume 35 sur l'eau là. Tu prends l'eau, tu mets le sel dedans, 2 cuillères à soupe de sel. Tu lis le psaume 35 sur ça, tu te laves avec, c'est tout. Ne cherche pas à acheter mes produits. Tu avais dit 55 000, tu as dit yay. Tu avais dit 100 000, tu as dit yay. Lave-toi d'abord avec ça. Après, tu fais maintenant un pipi. Après, tu fais ton pipi là. Tu pisses dans l'eau. Tu te laves avec. Tu fais pipi. Le premier pipi du matin. Tu mets le sel dedans. Tu te laves avec. Voilà. Donc, voici les cahiers de vision dont je vous avais parlé. Ah, il est. Tu as fait ton lavage au pipi et tu as eu un contrat à durée déterminée. Waouh. Félicitations pour ton contrat. Nous scellons ton contrat. Et tu avais payé ta dîme. Je bénis ta dîme. Il est là. Est-ce que l'image a été restaurée? Est-ce que l'image a été restaurée? Donc voilà le livre dont je vous ai parlé la dernière fois. Mon cahier de vision. Ça, c'est pour aider l'enfant. À découvrir son potentiel. Donc découvre ton potentiel.
Il y a des exercices détaillés dedans pour découvrir le potentiel de son enfant et aider cet enfant à développer son potentiel. Donc, tu achètes ça si ton enfant a à partir de... Ton enfant a quel âge? À partir de 9 ans, ça va. Achète seulement, tu lui donnes. Tu n'as pas besoin de... Achète, tu lui donnes. Parce que vous connaissez les parents par ceux-là. C'est que vous êtes assez paresseux. Maintenant, il y a le deuxième, c'est comment planifier le futur de son enfant. Ça, c'est pour les parents qui ont de 1 à 5 enfants. Pour planifier. Voilà. Il y a aussi des exercices dedans pour les parents. Pour voir spirituellement, physiquement, financièrement, comment planifier le futur de ton enfant. Parce que la réussite d'un enfant, ce n'est pas au hasard. Mes enfants n'ont pas encore 35 ans. Ma plus grande fille a 17 ans. Donc, c'est dans quelques années qu'elle saurait. Mais je me suis inspiré des personnes qui ont déjà réussi, du Saint-Esprit aussi, et des livres que les gens ont écrits, et de mon expérience. Parce que ça, c'est la quatrième année que j'ai l'école des enfants. Donc, je travaille avec les enfants. Je fais du coaching avec les enfants, de la thérapie avec les enfants. Donc, j'ai développé ça pour permettre de planifier correctement le futur de vos enfants et aider vos enfants à réussir. Voilà. Donc, ça, c'est moi, là, avec ma biographie. Donc, je crois qu'au Gabon, les gens ont demandé ça. Ça ne pèse pas. Donc, quand on poste vos choses, même en France, on peut vous envoyer ça. Le cahier de vision, il y en a en version française et anglaise. Donc, en anglais, c'est My Vision Book. Voilà. OK. On vient terminer. Ma vente est terminée. Achetez si vous voulez. Quand vous êtes prêt, vous achetez. Donc, les numéros sont encore les suivants. Pour le Cameroun, le plus 237 680 71 0701. Les deux livres, c'est 10 000 celui-ci, 10 000 celui-là. 10 000 francs les livres. Plus 237 680 71 07 01. Au Gabon, plus 241 074 18 00 80. Voilà. Donc, 0741 ou 074 18 00 80. Ça, c'est pour le Gabon. Donc, à partir du 237 680 71 07 01. Le numéro là peut vous donner tous les autres numéros. Côte d'Ivoire, on poste au Sénégal, Abidjan, au Burkina Faso, au Togo, au Congo, au Mali, Canada, États-Unis, Paris, Bruxelles. On pose dans tous ces endroits. Voilà. Donc, je viens bénir votre travail spirituel. Je bénis aussi vos dîmes, pour ceux qui ont payé les dîmes aujourd'hui. Je bénis aussi vos élans. Parce que depuis que vous m'écoutez, il y a des choses en vous qui naissent. Je déclare que tout ce que vous avez reçu, que vous avez demandé en vous accordant avec moi dans la prière ou en faisant une offrande, je viens sceller cela. Je déclare que vous le recevez dans cette saison au nom de Jésus. J'enlève l'esprit de ralentissement sur votre vie. Que tout ce qui vous freinait pour que vous ne puissiez pas faire votre travail spirituel soit enlevé de votre chemin au nom de Jésus. Je restaure votre étoile, je restaure votre lueur. Je coupe les malédictions générationnelles qui vous ont suivi, persécuté jusqu'ici au nom de Jésus. Tout blocage géographique qui vous empêche de voyager, qui vous empêche de vous marier, qui vous empêche d'avoir des enfants, qui empêche que votre business ne puisse grandir. Tout argent que tu as investi sur un business depuis, tu n'as jamais reçu. Tu veux que mettre l'argent dedans. Chaque mois, tu mets encore l'argent. Chaque mois, tu mets l'argent. Je déclare la multiplication exponentielle sur ton business au nom de Jésus. Tous tes enfants, je déclare, quelle que soit la destinée de ton enfant qui avait été abîmé, je restaure la destinée de cet enfant. Je vous ai dit l'autre jour que j'avais fait les couronnes. Pendant, John, va me donner la couronne ici là. Yo pour les garçons. J'avais travaillé sur les garçons sur l'autre jour, hier. Voilà, je vous ai dit que j'allais mettre ça à la disposition des gens, juste à doigt là. Donc, et ça que vous les mères là, vous êtes têtus. On te dit que prends la couronne, tu mets sur la tête de ton enfant. Et le passage que tu dois lire, c'est quoi? 1 Samuel 16, versets 12 et 13. Ces couronnes, vous les achetez avec l'huile d'olive. Ça va vous coûter moins de 10 000 francs, les deux. Et si vous ajoutez ça dessus, ça fera 20 000. Tu prends le cahier de vision de l'enfant.
La couronne, si tu mets ça sur sa tête, tu prends le passage là, tu lis. Parle sur la vie de ton fils. Le diable est après la destinée de vos garçons. J'ai expliqué dans la vidéo hier intensément, j'ai passé du temps là-dessus hier. Le diable cherche la destinée. Parce que c'est que si ton garçon n'avance pas, ma chérie, qui va t'acheter la voiture? Ton mari est derrière moi ou ton mari n'est plus là? C'est ton fils qui va t'acheter la voiture, non? Donc quand on touche ton fils derrière comme ça, là, il va errer, vagabonder, il ne connaît pas économiser l'argent. Les faux trucs comme ça. Donc tu prends ça avec l'huile d'olive, tu mets sur la tête ton enfant, tu lis le passage là, tu restaures les dons de ton enfant. Voilà. Donc c'est disponible à doigt là. Je crois que ça c'est démontable, donc on peut aplatir ça pour te poster. Pardon, tiens, tu remets là-bas dans la moire. Bon, j'ai terminé. Je viens vous bénir. Je bénis votre travail spirituel. Je bénis votre journée. Au nom de Jésus-Christ. Amen.